Bon, Simpson, franchement, c'est le sentiment de toute l'équipe à votre égard. Émilie, pour moi, c'est... Ce que j'aime avec Émilie, c'est que chaque semaine, elle pourrait être ma recette bien-être à elle toute seule. Quelqu'un ? Imaginez le matin, aux aurores. Oui. D'un seul coup, fus un rire cristallin. C'est ce que j'aime chez Émilie. Inexplicable. Dès que je parle des prix, des prix littéraires, ça lui plaît beaucoup. Ben voilà. Non, il n'est pas cassé. Sur la chronique, on a pu voir qu'elle avait quand même un profil métalline en médecine chinoise. Alors je ne sais pas si c'est son meilleur profil, mais elle nous a quand même beaucoup amusés. Ce qui m'agace chez Émilie, sa jeunesse. Alors moi, ce que j'aime chez Émilie, hein, c'est vraiment quand elle dit mon nom, François Pinet à l'antenne. Ça, j'adore. François Pinet. J'adore quand elle dit ça. François Pinet. Moi, ce que j'aime chez Émilie, je crois que c'est que elle adore ce que je fais. Moi, ce que je préfère chez Émilie, c'est nos grandes discussions passionnées, hors antenne, quand on parle de bouquins. C'est formidable. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spéciale. Alors, ce qui met en colère Émilie, je pense que c'est principalement Aymeric. Je sais, on est pressé. Me faites pas ces gros yeux. Je vous non, vois. Non, je vous fais des gros yeux parce qu'après, on est pressé toute la matinée. Arrêtez, ça suffit. Oui, Aymeric, c'est un peu... Mais bon, n'aviez pas une petite info à me donner? Vous voulez vraiment que je vous la donne tout de suite? On peut le faire à n'importe quelle heure de la journée? Non. Si? Ah, mais j'ai eu un mal fou après, donc j'ai mis un réveil. Vous auriez dû me demander, je vous l'aurais dit. Je sais que ça vous fait plaisir, les belles femmes, je sais que vous aimez bien. Les gens qui pompent l'énergie dans la journée, bref. Ne réglez pas vos comptes maintenant. Vous aviez très bonne mine aujourd'hui, on dirait un petit caramel. Et pour l'occasion, on est très supporters à Émilie ce matin. C'est vrai. Voilà. Très bien, vous allez décourager des gens comme ça. Mais non, un petit mot de foot? Non, pas du tout, 8h30. Oh non. Ah, ça a toujours été comme non, ça. Non, mais votre par contre, look. Je me suis mis en petite chemisette. Okay. Très saillante. Bon, tout à fait. Très très jolie, vraiment. Bon, et ben moi je voulais souhaiter un très bon réveil à tous ceux qui nous regardent. Moi je peux le faire partout, même dans le métro, alors que vous, c'est commencé à vous masser beaucoup le poids, plus facile, c'est ouais, compliqué. Absolument. C'est quand? Si, c'est Bordeaux. Mais non, c'est quand? C'est ah, pas où? N'embêtez pas parce qu'il faut que je me concentre sur le foot. J'ai écorché le nom d'un joueur tout à l'heure. On et il nous en veut, il a appelé pour se plaindre. Je fais pas de sport, comme ça c'est réglé. J'ai une intuition féminine à toute épreuve. Féminine tombe qui est. Ah oui, c'est la Arlette Laguiller des prix littéraires. Oui, mais là. Ça vous laisse de marbre, j'ai l'impression. Ah, je suis complètement hermétique. Je ne sais pas jusqu'où on ira pour faire plaisir aux gens. C'est ce que vous allez regardez, voir. Regardez, il y a ma main. Pardon. C'est bien qu'il y ait votre main dans l'écran. Je suis très fan. L'OM a perdu 2-1. Voilà, donc j'ai un peu dansé une drôle oui, de c'est danse. Vrai, vous étiez c'est parce que je faisais des signes à Aymeric. J'adore Émilie. Émilie, je t'aime. Mais bien sûr, on se retrouvera. Petit cadeau. Ah oui. Vite, il faut l'ouvrir, on a que 40 secondes. Vite, vite, qu'est-ce que c'est? C'est la fête, c'est Noël. C'est la fête des cadeaux. Oh, génial, c'est une photo de toute mon équipe. Voilà, c'est pour mettre sur votre bureau là où vous allez aller, à savoir, je le répète, l'édition spéciale de Canal+, à partir de la rentrée, donc hein, tous les jours, le journal avec Émilie à 12h45. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Ah, mais un je grand vais merci la mettre sur mon bureau. Hein, un grand merci à Lionel Ezesque hein, pour cet excellent montage quand même, il s'est donné du ah, mal. Lionel, ouais. Génial, bravo Lionel. Merci beaucoup, un petit coucou à Christelle et Soraya qui nous regardent aussi, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, pilier de l'émission. Grand merci aussi au service communication d'iTélé et de Canal+, qui nous ont beaucoup aidés pour la photo. Ah, voilà, merci je crois beaucoup. Que j'ai à peu près tout dit. Bonne fête à tous. Et merci à tous les gens qui nous ont suivis tous ces week-ends, ça a été un vrai plaisir pour mais pour moi. Nous aussi, voilà. Oui. Merci, oui. Excellente fête de Noël, comme disait la chanson, on se retrouvera. Et c'est vrai que c'est à vous que j'adresse le mot de la fin, un grand et sincère merci. Merci beaucoup. Merci.